Lors de notre dernier épisode de notre télésérie « Quand le vent de l'amour souffle », nous avons assisté à un vol à main armée dans un restaurant où Fabio, notre sympathique butler, tentait tant bien que mal d'arrêter le voleur. Mesdames et messieurs, voici notre troisième épisode. J'ai rentré dans le camion et puis j'ai lu le livre. Japanese. J'aurais deviné. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Passez une belle journée. J'ai besoin de vous pour lire. Vous dites oui? Oui, ah, vous êtes gentil. Je te montre des feuilles, tu les lis, puis tu t'en vas chez vous après. Qu'y a-t-il d'abracadabran dans cette histoire? Bon. Je n'ai pas fini de vous surprendre. Très bien. Très bien, fief. Bon, on s'en fâche. Que dois-je dire à madame, votre épouse, si me questionne sur ce que j'ai au fond? Fais congé. OK. Merci beaucoup, Alain. Quand le vent de l'amour souffle, troisième épisode, mettant en vedette Annick Bergeron, dans le rôle de Madame, avec la voix de Nicole Saint-Pierre. André Robitaille, dans le rôle de l'inspecteur, avec la voix d'Alain Sam. Martin Drainville, dans le rôle de Monsieur, avec la voix d'Yves Maubec. Et Luc Guérin, dans le rôle de Fabio, avec la voix d'Éric Champigny. Que dois-je dire à madame, votre épouse, si elle me questionne sur ce que j'ai au front? Laisse-moi manœuvrer la chose. N'ayez crainte, elle croit tout ce que je lui dis. D'ailleurs, que fait-elle? Il commence à se faire tard. Elle m'a dit qu'elle allait discuter avec Lady Rifterwout, de même qu'avec la comtesse Delphinstone, et qu'elle allait par la suite rentrer. Vous me voyez surpris. Je voyais plutôt qu'elle était chez le baron Krusenstern et qu'elle se rendait par la suite chez Lady Gerwenstein. La voleur qui arrive! Les routes sont de plus en plus mauvaises. Cela devient vraiment insoutenable à la longue. Bonjour, Fabio. Versez-moi un verre. Je suis épuisée. Avec un grand plaisir, madame. Mais, Fabio, qu'est-ce que cette ecchymose au front? Vous semblez avoir reçu un vilain coup. Que s'est-il donc passé? Quelle histoire, abracadabra. J'étais à nettoyer une de mes carabines lorsque, par inadvertance, Fabio se mit derrière moi pour m'annoncer qu'on frappait à la porte. C'est en me retournant que, pan, je lui ai asséné un coup au front. Qu'y a-t-il d'abracadabran dans cette histoire? Ce que je me suis évanoui par la suite, madame. Qui cela peut bien-t-il être à cette heure? Fabio, allez répondre et dites-leur que nous sommes occupés. C'est vraiment étrange. Monsieur, madame, l'inspecteur Woodridge désire vous poser quelques questions. Mais que se passe-t-il? Puis-je vous offrir un verre, inspecteur Woodbrick? Woodridge. Non, merci. Cette bête est magnifique. Ce bovidé serait-il par hasard un bison bonassu? Effectivement, je l'ai moi-même capturé et j'en suis très fier. Oh, n'essayez pas de faire diversion. Je suis ici pour vous poser quelques questions concernant l'événement survenu au restaurant la semaine dernière. Mais quel restaurant? Le restaurant où vous étiez samedi dernier en compagnie de madame ici présente. Vous faites sûrement erreur. J'étais à l'extérieur de la ville. Pourtant, c'est bien le nom de monsieur ici présent qui apparaît dans le livre des réservations. Attendez, je vais tout vous expliquer. J'y étais effectivement en compagnie de Fabio lorsque tout à coup un voleur est entré. Le rapport stipule qu'il s'est dirigé à votre table et qu'il a braqué une arme sur la dame qui vous accompagnait. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vous assure que je ne connais pas cette dame. Que faisait-elle à votre table si vous ne la connaissiez pas? Ah, vous me prenez vraiment pour un imbécile? Je ferai la lumière sur cette histoire. Vous pouvez en être certain.
Cette histoire me semble nébuleuse. Je crois que vous allez devoir m'accompagner au commissariat. J'ai d'autres questions à vous poser. Très bien, Fief. Bon. Fabio, je me fie sur vous pour voir aux affaires le temps que cette histoire soit réglée. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Tiens, n'est-ce pas ici un Sinatia Kumasaka, mieux connu sous le nom de Bambou, né à feuille de houx? Me voilà surpris, inspecteur. Votre culture botanique est irréprochable. Et je n'ai pas fini de vous surprendre. Allons-y.